bonsoir pour monde qui pourrait regarder vidéo mieux pour la première fois. Non pas c'est Anderson Cantave. Séance vidéo mieux toujours basée sur ça qui est dans le domaine de construction qui relève technique Windows ou bien nous capable de dire technique de la vitrerie. Dans la vidéo que m'ai fait avant vidéo ça, moi t'ai parlé de combien catégories de fenêtres qui gagnent et combien types de fenêtres qui gagnent. Moi t'ai dit non, gagnent deux catégories de fenêtres et gagnent cinq types de fenêtres. Parmi catégories de fenêtres, moi t'ai parlé, moi t'ai dit non, c'est fenêtres sur mesure et fenêtres à dimension standard. Et puis cinq types de fenêtres, c'était fenêtres jalousie simple, fenêtre et jalousie tropicale, fenêtre sécurité et jalousie, fenêtre awning et fenêtre sliding. Et bien, dans la vidéo, ça, nous allons parler de hauteur standard de chaque grande fenêtre qui fait partie de famille fenêtre jalousie. Les mains dit moi-même, moi, il est aux familles fenêtre jalousie, les mains dit famille fenêtre jalousie, moi, parler de fenêtre jalousie simple, fenêtre jalousie tropicale, fenêtre awning, fenêtre security, jalousie. Moi, les familles fenêtre jalousie parce que yo presque fait à fait même gens. Seulement yo gagne quelques différences dans dimension standard, dans hauteur standard yo, et puis gain matériel qui un peu différent. Mais c'est presque même et même yo fait yo fabriquer presque avec et fabriquer presque même gens. Ok, sans perdre du temps, m'a dit nous que calcul pour jeune hauteur standard fenêtre jalousie simple, c'est même calcul lié pour jeune hauteur standard fenêtre jalousie tropicale. N'a pas de trop différence entre fenêtre jalousie simple et fenêtre jalousie tropicale. Tout simplement, fenêtre jalousie simple lui même lui fait avec lame de vitre, et puis fenêtre jalousie tropicale là lui-même ni fait avec lame aluminium. C'est seulement ça qui différencie, mais après ça c'est même bagaille, même matériel, et puis même calcul pour joindre hauteur standard pour fenêtre jalousie simple, c'est même calcul ça tout pour faire pour joindre hauteur standard fenêtre jalousie tropicale là. Fenêtre et sécurité de jalousie en lui-même, calcul par l'an différent, calcul pour jeune hauteur standard pour fabriquer l'an est différent par rapport avec calcul pour jeune hauteur standard fenêtre jalousie simple avec fenêtre jalousie tropicale l'an. Calcul par l'an différent. Nous gagnons fenêtre awning, calcul par fenêtre awning l'an différent de et calcul pour jeune hauteur standard pour fenêtre awning est différent par rapport avec calcul pour jeune hauteur standard fenêtre sécurité jalousie et fenêtre jalousie simple avec fenêtre jalousie tropicale. Ok, si c'est chito chita, pas déplacé, restez posé là pour capable de suivre vidéo. Si c'est couche au couche, regardez vidéo, restez posé là, pas déplacé. Nous connaissons l'aime faire vidéo mieux, moins pour des informations pour nous, et moins tiens à ce que pour nous comprendre ça que moi viens partager avec nous dans la vidéo. Je viens avec quelques images pour me capable de faire nous comprendre bien ça que moi a expliqué nous dans la vidéo, parce que moi connais un pile de jeunes garçons, jeunes filles qui sont intéressés avec branche-là et qui vont toujours à commenter pour poser mon série de questions. Et bien moi pour le faire nous comprendre puis bien ça que moi a expliqué moi de brancher m'a retourné nos petit poussette m'a retourné nous retourné pour nous capable de faire nous comprendre ça que moi t'a expliqué nous dans le commencement vidéo, puis bien à travers l'image ça que moi venu avec vous là pour nous. Dans l'image qui est devant nous dans l'écran, nous avons gagné la zoom, nous avons fenêtre jalousie simple. Ok, fenêtre jalousie simple. Et puis en bas, nous avons gagné fenêtre jalousie tropicale. Jean qui me dit non, nous avons différence là.
fenêtre de jalousie simple, il prend l'âme de vie, fenêtre de jalousie tropicale, il prend l'âme aluminium, ok, en aller dans ça qui est plus important, qui c'est hauteur standard fenêtre. Ok, nous gagnons l'intervalle entre chaque mesure standard est 3 pouces et demi. Ok, ça c'est l'intervalle qui gagne entre chaque mesure standard, c'est 3 pouces et demi que lié. Premier mesure hauteur standard là, pour commencer c'est 6 pouces et demi que lié. 6 pouces et demi, il prend une lame de vide. Il prend une lame de vide. Ok, ou après 6 pouces et demi hauteur standard ça c'est 6 pouces et demi, il prend une lame de vide. Deuxième hauteur standard là c'est 10 pouces que lié, il prend deux lames de vide. Et bien pour joindre 10 pouces là, qui sont fait, ou prend 3 pouces et demi ou plus li avec 6 pouces et demi, et bien li vinn bon 10 pouces pour capable joindre deuxième hauteur standard là. Et bien pour hauteur standard 10 pouces là, et bien on fenêtre qui gagne hauteur standard 10 pouces là prend deux lames de vide. Ainsi de suite. Ou ap voye 3 pouces et demi sous 10 pouces et demi à la bo 13 pouces et demi, et bien kounye a la ou ap gen yon fenêtre qui gon hauteur standard 13 pouces et demi kap pran 3 lames de vide. Pour joindre et hauteur standard kap vini après hauteur 13 pouces et demi, ou ap mette 3 pouces et demi sous 13 pouces et demi à la bo 17 pouces et demi, yon fenêtre standard de 17 pouces et demi kap pran 4 lames de vide. Ou pour joindre hauteur standard qui vient après hauteur 17 là, et bien on va mettre 3 pouces et demi sur 17 pouces là bas ou 20 pouces et demi, et bien qu'on a là ou bien on fait net de hauteur standard 20 pouces et demi qui prend 5 lames de vide. Ainsi de suite, à chaque fois on fait joindre hauteur standard, on va 3 pouces et demi sur lui pour capable joindre hauteur standard qui vient après. Qu'on a là, si on prend le connaît, l'oral prend une mesure et hauteur que vous gagnez, hein? C'est à travers calcul ça pour joindre hauteur standard là ou pour aller et puis pour capable joindre hauteur standard qui correspond avec hauteur que vous avez en main pour fabriquer fenêtre là. On va faire ainsi de suite pour jusqu'à ce que vous joignez hauteur standard que vous besoin. OK, c'est comme ça pour joindre hauteur standard pour une fenêtre jalousie simple. Et yon fenêtre jalousie tropicale. C'est même calcul pour deux fenêtres ça. Ok? N'a continué. Ok? Là, n'a pouwe nan écran, nous gagnons fenêtre awning nan, la je lame de vide fenêtre awning nan, c'est 10 pouces que lié. Ok? Ou après les pilages que la jeune lame de vide fenêtre jalousie simple que nous souhaitons aller. Nous avons fait lame de vide ça au pilage de 10 pouces. Lame de vide fenêtre jalousie simple c'est 4 pouces que lui élimine. Ok, en aller dans la partie qui est bien importante là, l'intervalle entre chaque mesure standard est 10 pouces. Intervalle entre mesure standard pour fenêtre jalousie simple et fenêtre jalousie tropicale, là, c'était 4 pouces que nous avons. Fenêtre on est dans le même intervalle qui gagne pour hauteur standard par lien, c'est 10 pouces que nous avons. Ok? Pour premier hauteur standard, là, ou après là, nous gagnons et 25 pouces 5 huitièmes. Ça, c'est pour commencer. Hauteur pour commencer, c'est 25 pouces 7 huitièmes. Avec dit pour fenêtre. On est non soudain ou aller mettre aux jeunes en hauteur 10 ou en hauteur 15 pouces, en hauteur 20 pouces, les papes qui fabriquent une fenêtre on est hauteur pour jeunes, faut que les 26 vous comprenez ou bien plus parce que hauteur standard une fenêtre on est il commence à 25 pouces 5 huitièmes pour jeunes hauteur qui vient après 25 pour 5 huitièmes. Nous allons prendre 10 pouces, vous voyez sur 25 là, là-bas où 35 pouces 5 huitièmes, il y a une fenêtre qui apprend 3 lames de vide. L'autre là prend la première, apprend 2 lames, deuxième là prend 3 lames de vide. Pour joindre hauteur standard qui vient après, on va mettre 10 pouces sur 35 là, là-bas 45 pouces 5 huitièmes,
comme hauteur standard pour une fenêtre qui prend 4 lames de vide. Ok, pour continuer, pour jouer une hauteur standard qui vient après 45 pour 5 8e, on va mettre 10 pouces sur 45 là, la bas 55 pouces, la bas 55 pouces, 5 8e cap, une fenêtre qui prend 5 lames de vide, ainsi de suite, pour jusqu'à ce que vous arrivez dans la hauteur 65 là. Ou ap voye 10 pouces sur 55 lan, kap bo 65 pouces 5 8e, kap bo yon fenêtre kap pran 6 lames de vide. Ça c'est hauteur standard pour yon fenêtre awning, pour yon fenêtre awning. On pense jusqu'à maintenant moi Jean qui m'explique là, moun qui m'espère, moun qui pral gade vidéo ap comprendre. On continue pour nous finir. On a fini avec fenêtre et là nous gagnons ma banon zoom, nous gagnons fenêtre jalousie sécurité largeur lame de vide 4 pouces ou bien 6 pouces. Fenêtre ça lame de vide li ka pran lame de vide qui gagne mesure 4 pouces, li ka pran lame de vide qui gagne mesure 6 pouces. OK, ça qui est important et ça fait ou après et lame de vide par là petit que lame de vide fenêtre awning. On a allé dans partie qui est important. OK, nous gagnons l'intervalle entre chaque mesure standard est 4 pouces 1/16 et 3 pouces 3 quarts. Ça c'est pour le, ça c'est les lames vite là gain largeur 4 pouces. Comprendre? 3 pouces 3 quarts pour les lames de vide de largeur 4 pouces. OK, ça c'est pour les lame de vide là gain largeur 4 pouces. Intervalle cap séparé hauteur standard yo là 4 pouces 1/16 ou bien 4 pouces 3 quarts. OK, n'a pouwe 6 pouces 3 8e et 6 pouces et demi pour les lames de 6 pouces. Les lames de vide là li gain largeur 6 pouces et bien intervalle là laisse à la 6 pouces 3 8e et 6 pouces et demi. OK, intervalle pour lame de vide qui gagne largeur 4 pouces là n'est pas même avec intervalle pour lame de vide qui gagne 6 pouces là. OK, on est là, on continue avec explication. Nous première fenêtre nous gagne hein, li mesure premier mesure standard là c'est 11 pouces 7/16 qui est cap fait une fenêtre cap prend deux lames de vide, cap fait deux, cap prend deux lames de vide. OK, là nous est deuxième mesure standard là, hauteur standard là c'est 16 pouces 1 8e. Ça veut dire yo servi avec ça, ça veut dire la jeune lame de vide qui dans fenêtre ça que m'a ba nous dimension standard là c'est 4 pouces que lié. Là yo voye 4 pouces 1 8e ou bien 4 pouces 3 quarts ou vinn gagner nous quoi c'est 4 pouces 1 8e ou vinn gagner, ou vinn gagner 16 pouces 1 8e. 16 pouces 1 8e. OK, 16 pouces 1 8e. Là la je lame de vide cap dans fenêtre ça li pap 6 pouces 3 8 li pap li pap 6 pouces la 4 pouces. OK, n'a continuer et bien pour hauteur standard ça n'a bien une fenêtre cap prend 3 lames de vide. OK, pour nous joindre mesure hauteur standard cap vini après hauteur 16 pouces et 1 8e, bien on a mis 4 pouces 1/16 sous lit, on a vinn gagner 20 pouces 7 8e. Cap bo yon fenêtre cap prend 4 lames de vide. OK, on fenêtre cap prend 4 lames de vide. OK, n'a continuer, l'on mettez 4 pouces 1/16 sous 20 pouces 7 8e là et bien n'a gagner n'a gagné 25 pouces, n'a gagné 25 pouces 9/16 pour yon comme hauteur standard pour yon fenêtre qui prend 5 lames de vide. OK, ainsi de suite pour jusqu'à ce que nous arrivions dans on fenêtre qui gagne yon le pour jusqu'à ce que nous arrivions dans 30 non hauteur standard 39 pouces 1/16 pour yon fenêtre qui prend 8 lames de vide. Ça veut dire là joindre 35 pouces
ou à vouer 4 pouces 11 16e sur lui, qui a vu une botte 39 pouces 11 16e pour une fenêtre qui a pris 8 lames de vide. Ça, c'est calcul pour une fenêtre et calcul pour une fenêtre. Pour une fenêtre et jalousie sécurité, jalousie sécurité. C'est toute information ça qui m'a été portée pour nous dans la vidéo. Ça, moi espérer les amis qui peuvent regarder la vidéo, ça, ils vont comprendre et calcul qui m'a porté pour nous dans la vidéo pour nous aussi pour les fabriquer une fenêtre jalousie simple, une fenêtre jalousie et tropicale, une fenêtre jalousie sécurité et une fenêtre awning. C'est, j'aime dire non, c'est information ça que m'te porter pour nous dans la vidéo ça. Dans l'autre vidéo, m'a gagné pour moi venir montrer nous à qui l'âge leur fabriquer une fenêtre jalousie pour fenêtre là gagner cap permettre que fenêtre là gagner deux éléments. Qui l'âge cap bailler une fenêtre jalousie trois éléments, qui l'âge cap bailler une fenêtre jalousie quatre éléments. OK, et puis ni pour fenêtre sliding tout qui l'âge ou besoin pour gagner une fenêtre jalousie trois éléments et qui l'âge ou besoin pour gagner une fenêtre jalousie quatre éléments. C'est information ça m'a bien pour porter pour nous dans l'autre vidéo. Nous compte qui ça pour nous faire déjà pour nous capable encourager, c'est pas oublier like vidéo, pas oublier partager, pas oublier abonner avec channel là en façon pour nous capable toujours joindre vidéo qui m'a lagué pour nous yo. N'apprenons une autre vidéo. Ciao, à la prochaine.